Merci de vous savoir nombreux à nous suivre. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal qui démarre par la présidence où l'ambassadeur de France en République démocratique du Congo est arrivé fin mandat en poste durant 3 ans. Bruno Hubert est allé faire ses adieux au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Au menu de leur discussion, l'incident d'un des diplomates français en poste à Kinshasa, dont le fait remonte à la semaine dernière. Le détail dans cette élément de reportage. La République démocratique du Congo et la France entretiennent d'excellentes relations bilatérales et de coopération depuis des décennies. Les rapports entre les deux pays sont résolument tournés vers le développement économique du fait que la RDC et la France sont liées par des accords de coopération autour d'une trentaine de projets en exécution. La visite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Paris en est une parfaite illustration. Le diplomate français est venu faire ses adieux au chef de l'État car arrivé au terme de ses 3 années de mission en République démocratique du Congo. Occasion aussi pour Bruno Hubert d'évoquer le bilan positif des relations bilatérales franco-congolaises de ces 3 dernières années. Malgré l'incident malheureux dont ont été victimes 2 diplomates français en poste à Kinshasa, incident lié à un conflit foncier qui a conduit à une intrusion dans une emprise française en violation des prescrits internationaux. Il était important pour moi de voir le président de la République, le chef de l'État, une circonstance un peu particulière pour moi qui est la fin d'une mission de 3 années dans le pays et donc c'était une manière de venir le dire au revoir. Nous avons traité de nombreux sujets. Le premier dont nous avons parlé, c'était effectivement le regrettable incident qui a affecté une de nos emprises diplomatiques pendant il y a 3 jours, vendredi dernier. Nous avons eu l'occasion d'en parler avec Madame la ministre d'État ce matin même. Donc cet acte regrettable et nous a assuré que toutes les mesures allaient être prises, et certaines mesures ont déjà été prises, que ce genre d'événement ne se reproduise pas. De son côté, la ministre des Affaires étrangères, qui, dans un communiqué, avait exprimé ses profonds regrets suite à cet incident malheureux, a souligné son engagement pour le respect des conventions diplomatiques. Mais ces incidents n'entachent en rien les relations bilatérales, toujours au beau fixe entre les deux pays. Je pense en effet que c'était la préoccupation de toutes les parties impliquées dans cet incident, justement que les relations excellentes entre la République démocratique du Congo et la République française ne soient pas entachées par cet incident malheureux. Je pense que la République démocratique du Congo, à travers ses institutions et sa réaction rapide à cet incident, a démontré qu'elle tenait à ses excellentes relations, mais aussi que l'ambassadeur de la France, qui a été disposé à échanger avec nous dans des très brefs délais, a pu réaffirmer que c'était un souci mutuel et un souci partagé. Donc actuellement, les enquêtes sont en cours, justement pour avoir une meilleure compréhension de cet incident, de ses antécédents aussi, et pour permettre à la République démocratique du Congo de tirer toutes les conséquences nécessaires pour que ce genre d'incident ne se répète pas. L'incident a eu lieu le vendredi dernier. Les agents de l'ordre ayant participé à cette tentative de déguerpissement ont été interpellés. Une autre audience du chef de l'État hier se sent accordée à la délégation de l'International Socialiste, une plateforme mondiale qui regroupe le parti d'obédience socialiste. La délégation a été conduite par Augustin Kabuya, vice-président de l'International Socialiste. Créée en 1951, l'Internationale socialiste est une organisation qui rassemble 132 partis socialistes ou sociaux-démocrates. L'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, est membre de cette plateforme internationale et occupe, à travers son secrétariat général, le poste de vice-présidence. L'ancien premier ministre tchadien, Saleh Kedzabo, président du comité Afrique qu'accompagnait la secrétaire générale, Madame Chantal Kambiwa, est porteur d'un message de la haute hiérarchie de l'Internationale socialiste au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au vu de la délégation qui m'accompagne, vous comprendrez aisément de quoi il s'agit. J'ai à ma gauche Madame Chantal Kambiwa, qui
est l'actuelle coordinatrice générale, en d'autres termes secrétaire générale de l'International Socialiste. Et à ma droite, notre ami Auguste Kabuya, qui est un des vice-présidents de l'International Socialiste. Et donc, il se joint à la délégation pour porter ce message que nous avions de la part du président de l'International Socialiste, qui est l'actuel Premier ministre d'Espagne, qui nous a chargé de venir saluer le président Tshisekedi, lui présenter ses félicitations, parce qu'on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas pu s'organiser pour venir à l'investiture du président. Mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Nous sommes venus lui présenter les félicitations de l'International Socialiste et le soutien de notre mouvement, dont vous savez que l'UDPS fait partie depuis des dizaines d'années. C'est un des partis membres influents de l'International Socialiste. Et donc, c'est cette mission que nous sommes venus essentiellement exécuter pour apporter le soutien de l'International Socialiste au président Tshisekedi et à la République démocratique du Congo. L'International Socialiste est le successeur de l'International Ouvrière Socialiste qui a regroupé la majeure partie des partis socialistes, sociodémocrates et travaillistes entre 1923 et 1946. Parmi les membres actuels de l'International Socialiste, on trouve notamment le Parti Socialiste Français, le Congrès National Africain en Afrique du Sud, le Parti Social-Démocrate d'Allemagne et l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir en République démocratique du Congo. Toutes les constructions anarchiques le long de routes ferroviaires doivent être démolies. La décision a été prise au cours de la 10e réunion du Conseil des ministres, une décision saluée par la population congolaise tout entière. Solution pour mettre fin aux embouteillages monstres auxquels Kinshasa est confronté, c'est entre autres l'utilisation des transports en multimodal, en plus du suivisme routier. Les trains urbains, appelés de tous voeux par la population, nécessitent l'assainissement du réseau ferroviaire de la ville de Kinshasa. Mais voilà, les emprises de 20 mètres de part et d'autre de voies ferrées sont aujourd'hui envahies par les constructions anarchiques. Comment on peut construire sur les rails? Construire sur les rails, c'est un danger, c'est un risque. Cesser alors de construire sur les rails, selon les normes, c'est défendu. Suis contente, question de la conscience. Comment tu peux construire sur les rails que l'État puisse faire son travail? Déterminé à relancer les trains urbains, le gouvernement de la République, lors de sa 10e réunion du Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris des mesures allant jusqu'à la démolition de ces constructions anarchiques. Mesure fort saluée par la population. La ville de Kinshasa a besoin de son tronçon routier et aussi ferroviaire. Vous voyez, les transports posent problème dans cette ville de Kinshasa. Il faut que la voie ferroviaire soit aussi dégagée pour que Kinshasa bénéficie de son tronçon ferroviaire. Alors, nous, quand on était encore plus jeunes, on faisait Matete Kitambo par train. Moi, j'ai ce souci-là de voir le train urbain faire les trafics comme c'était auparavant. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont déjà dépensé leur argent, mais comme on dit, la loi est Dieu, mais c'est la loi. Un jour, quand ils avaient construit leur maison, ne savaient-ils pas que ça sera ainsi que l'État puisse faire son travail et prendre ses responsabilités? Est-ce qu'il n'a pas ça un jour, Kakawa? L'opinion s'interroge sur la durabilité de ces mesures salutaires pour la fluidité du trafic. De son côté, la première ministre invite le service public à s'adresser désormais au génie congolais pour des solutions aux problèmes que pose la vie nationale. La chef du gouvernement, Judith Suminwa, a lancé hier le deuxième forum du génie scientifique congolais au Palais du Peuple, travaux organisés par le ministère de la Recherche scientifique. Au total, 450 chercheurs, inventeurs et innovateurs venus de Kinshasa
de l'intérieur du pays, de quelques pays d'Amérique et d'Europe, ont présenté leurs inventions au cours de ce conclave. 50 meilleurs projets seront donc retenus pour être primés après une rigoureuse cotation scientifique et technologique. La première ministre Judith Suminwa-Tuluka, qui a donné le go de ce forum, a salué la tenue de ces assises qui traduisent la détermination du chef de l'État, celle de bâtir l'émergence économique et sociale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous assistons avec bonheur au résultat de l'accomplissement continu de la première instruction reçue du chef de l'État. Je peux donc dire, au vu de cet engouement de notre élite scientifique porteuse de beaux et riches résultats de recherche, des inventions et innovations, en l'occurrence, que la renaissance de la recherche scientifique dans notre pays n'est plus à démontrer. Et nous disons bravo à notre ministre de la Recherche scientifique pour la réalisation progressive et soutenue de la première mission lui confiée par le chef de l'État, telle que reprise dans le programme d'action du gouvernement. Pour sa part, le ministre de la Recherche scientifique, Gilbert Kabamba, plaide pour l'amélioration des crédits budgétaires alloués à ce secteur. Vos compatriotes, chercheurs, inventeurs et innovateurs, ici présents et absents, se joignent à moi pour solliciter un projet de loi à initier par le gouvernement souminois et à soumettre au Parlement dans le meilleur délai pour la création et l'organisation du Fonds souverain d'appui au développement scientifique et technologique de la République. Pour se faire une idée du savoir-faire congolais, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a fait la ronde des stands et a échangé avec les exposants pour qui elle a une admiration totale. Pour une gestion efficiente du personnel, le ministère de l'Intégration régionale a été doté d'un cadre organique, document signé par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao. Au regard de sa position géostratégique, la République démocratique du Congo est appelée à disposer d'un outil moderne de gestion devant lui permettre la mise en œuvre d'une politique étrangère. C'est dans cette optique que réunis en commission mixte les ministères de la fonction publique et de l'intégration régionale ont élaboré le cadre et structure organique pour servir de boussole dans la transformation du mode de gestion des ressources humaines devant satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Et le lundi 26 août 2024, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a procédé à la signature des cadres et structures organiques du secrétariat général de l'administration du ministère de l'intégration régionale en présence du ministre des tutelles, Didier Mandinga. Les cadres organiques qui viennent d'être signés aujourd'hui nous permettent maintenant de jouer valablement notre rôle. Et nous avions besoin d'accompagner le président de la République dans ce cadre de paix et sécurité, sensibiliser la population à dénoncer les mâles, de se prendre en charge, mais nous n'avions pas l'instrument que nous pouvions utiliser. Aujourd'hui, nous avions maintenant le cadre organique qui nous permet de mettre en place l'administration au niveau de la province de Nord Kivu, cette administration qui va travailler avec la CIRGL, qui est l'organe de paix et sécurité. Et ça va nous permettre maintenant de faire un bon travail et accompagner le président de la République dans cette mission de pacification. Disposant désormais de cadres et structures organiques, l'administration du ministère de l'intégration régionale devra répondre efficacement à sa responsabilité, celle de contribuer au développement de la République démocratique du Congo à travers la pacification et la recherche, la négociation et la mobilisation des ressources extérieures auprès de partenaires bilatéraux et multilatéraux africains. Notons aussi que les 5 gouverneurs de l'espace Grand Kassai sont convoqués à Mbujimayi en conseil de sécurité par la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshalakamba. Au cours de cette rencontre, les instructions fermes du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ont été transmises aux concernés.
C'est un moment décisif pour la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshilakamba, de transmettre les instructions fermes du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, aux cinq gouverneurs de l'espace Grand Kassai, convoqués tous en urgence en Mbujimayi pour une réunion des conseils de sécurité aux côtés d'autres services locaux. Près d'une heure, le numéro 2 de la territoriale du pays a, dans sa communication, convié les chefs des exécutifs provinciaux du Kassai, Kassai central, Kassai oriental, Lomami et Sankuru, à redoubler plus de vigilance pendant cette période où le pays est agressé par les Rwandais et ses complices. La lutte contre la vie chère menée par les gouvernements soumis, notamment dans le contrôle rigoureux des prix sur les différents marchés, s'impose pour les saluts de la population. C'est tout à fait normal, comme vice-ministre en charge de l'administration, il devait quand même écouter les gouverneurs de province pour l'état sécuritaire dans toutes les cinq provinces qui constituent l'espace Grand Kassai. Les cinq gouverneurs se sont retrouvés et chacun d'eux a pu brosser succinctement ce qu'est la sécurité dans sa province. Il nous a écoutés et il va agir par rapport à toutes les doléances, les plaintes de chaque gouverneur. Très satisfait du speech et des orientations reçues de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, les cinq gouverneurs de l'espace Grand Kassai ont pris l'engagement de s'investir dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi de Tshilombo, pour la paix et le développement de leurs milliers, ainsi que pour un Congo fort, debout et prospère. Ils ont suivi la voie de la raison. Une centaine de Koulounas ont accepté d'échanger leurs armes blanches contre les outils d'assainissement pour la beauté de la ville. Ils ont été recueillis par le groupe G24 de l'honorable Jean-Marie Loukoulas. Des regards scélérats qui sont en voie d'être apprivoisés. Leur mea culpa suivi du pardon au peuple congolais et au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo témoignent de leur volonté de changer positivement et d'abandonner le Koulouna. L'œuvre des médiateurs auprès des différents gangs a produit des fruits. Au total, 150 nouveaux jeunes Koulounas en face de l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba pour recevoir le message qu'ils attendent visiblement depuis toujours. Un emploi, une prise en charge santé universelle contre une reconversion citoyenne. Tout de suite, ils sont lancés sur le terrain dans la lutte contre l'insalubrité en général avec un focus sur le curage des rivières dont les lits sont remplis de détritus et d'autres déchets, une manière d'anticiper les inondations. Cet engagement des G24 peut reposer sur Kinshasa et Zobonga, programme du gouvernement provincial de Kinshasa. Déjà ce lundi, ces jeunes ont reçu les cartes de couverture santé universelle de l'Isungi, partenaire privilégié des G24 pour une bonne prise en charge médicale pour eux et leurs familles. Au jour le jour, l'équipe des médiateurs des G24 ratisse et continue à conscientiser les Koulounas de Kaouka. Kaouka égale zéro Koulouna pour qu'ils abandonnent ces pratiques antisociales. Selon la vision de Jean-Marie Loukoulassi, l'assaut sera lancé sur d'autres communes de la Founa l'un de ce 4 matin. Et pour s'assurer de la bonne rentrée scolaire à l'école EP4 Kaouka, qu'il a fréquenté dès son tendre enfance, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba s'y est rendu. L'école manque de tout. Les bancs et autres. Il a besoin d'être rafraîchi et l'élu de la Founa a entendu leur cri d'alarme et a accepté de soutenir cette école primaire avant la rentrée scolaire. La justice élève une nation, dit-on, une justice distributive, comme le souhaite le point focal de la RDC près la Cour pénale internationale, le professeur Lubanga, qui lui salue la poursuite de réformes de l'appareil judiciaire congolais. Les réformes de l'appareil judiciaire congolais, entamées il y a peu, méritent d'être poursuivies. En tout cas, c'est le souhait du professeur Taylor Lubanga, chargé des missions du chef de l'État et point focal de la RDC à la Cour pénale internationale. La justice congolaise a accusé à un certain moment de son histoire des faiblesses qui ont même amené les analystes, en premier le président de la République, à pouvoir la perfiser par des mises en place. Contre des mises en place, la révision du statut des magistrats, la révision des conditions professionnelles des magistrats, le recrutement des jeunes magistrats pour renforcer les dispositifs judiciaires ou de judiciarité, de manière à approcher le justiciable du justicier. Tous ces efforts concourent justement ou participent
de cette amélioration de l'appareil judiciaire que nous voulons, capacitant au niveau des problèmes qui sont les nôtres. Mais les bonnes réformes, le juge doit apprendre, doit considérer que l'indépendance n'est pas un cadeau. Il doit arracher son indépendance vis-à-vis de l'influence politique, vis-à-vis effectivement des trafiquants d'influence. Taylor Lubanga est revenu sur le bien fondé de la suppression du moratoire sur la peine de mort. Il faut d'abord préciser que le moratoire ne veut pas dire que la peine de mort ne peut plus être prononcée. C'est seulement qu'elle ne doit pas encore être exécutée. L'on peut donc comprendre que les finalités politiques de ce moratoire ont été discutables en raison de la persistance et même de l'attrait à la criminalité la plus grave. Taylor Lubanga s'insurge également contre ce qu'il qualifie des tribunaux des réseaux qui condamnent leurs bourreaux sans l'avoir entendu. La revalorisation de notre gouvernance ne peut que passer par la justice et une bonne justice distribuée dans les conditions socialement acceptables. Mais si le suspect, par une rumeur, une information, n'a pas été invité à se défendre, nous sommes là en train, par moment, de violer le principe de la présomption d'innocence. La justice élève une nation, disent les Saintes Écritures. Cette assertion devra donc guider tous ceux-là qui sont censés dire les droits. Les Congolais appelés à la vigilance, 8 marques de farine, de maïs en provenance de la Zambie, sous embargo sur le sol congolais. Le gouvernement congolais vient d'interdire l'importation de ce maïs contaminé par des toxines produites par des moisissures. Les experts de plusieurs ministères et l'OCC l'ont certifié au cours d'une grande réunion autour du secrétaire général au commerce extérieur. La RDC vient de fermer complètement ses frontières à plusieurs marques de farine de maïs en provenance de la Zambie. Ces farines de maïs sont contaminées par des toxines produites par des moisissures dites aflatoxines. Africa Mylink, Roller Meal and Breakfast figure parmi ces marques sous embargo. Décision prise au cours de cette réunion qui a réuni autour du secrétaire général au commerce extérieur les experts de ministères concernés et les services œuvrant aux frontières. Pour faire respecter cette mesure, l'Office congolais des contrôles va procéder au prélèvement des échantillons de farine de maïs au niveau du marché et entrepôt dans l'espace Grand Katanga pour s'y rassurer davantage. Tous les services concernés ont été instruits, chacun à ce qui les concerne, pour que de manière pratique, tout soit mis en œuvre pour que ce produit ne soit pas consommé, que le produit n'entre pas sur le territoire congolais et que ce produit ne circule pas évidemment sur notre territoire. Nous avons profité de cette occasion également pour demander à tous les services de mener des enquêtes. Des enquêtes quant au stock dont disposent les principaux distributeurs et le plus précisément dans la partie sud de notre pays. Des nouvelles stratégies formulées au cours de cette réunion pour renforcer le contrôle au niveau des frontières afin de mettre fin au phénomène Bilanga et ailleurs seront soumises au gouvernement congolais dans les heures qui suivent. Quid de notions sur la gestion de projet, le cadre organisationnel et la gouvernance de projet? Des réponses ont été données le week-end dernier à la clôture de la mission de capacitation de douaniers congolais par le bureau de l'Organisation mondiale des douanes, région Afrique orientale et centrale, venue à Kinshasa. Les détails dans ce reportage signé Ricky Nzuziloya. Durant 5 jours, le Bureau régional de renforcement des capacités de l'Organisation mondiale des douanes OMD pour l'Afrique occidentale et centrale, par son directeur régional et l'expert conseiller, ont assuré avec brio et compétence la formation des cadres et agents de la douane congolaise. C'était sur la gestion des projets. Les échanges ont été interactifs. Ils nous ont permis de parcourir le cadre organisationnel de la gestion des projets, les principaux piliers de la gestion des projets, l'alignement stratégique, la méthodologie de gestion des projets, la gouvernance et la gestion des compétences. À la clôture de cette session, le directeur général adjoint de la DGD en charge des questions administratives et techniques, Jean-Louis Baouna Mabolia, a félicité les formateurs pour la qualité des enseignements et les participants pour leur assiduité avant de noter l'importance de la session clôturée.
Cet atelier sur la gestion des projets tombe à point nommé au moment où nous sommes en plein processus de la modernisation de l'administration douanière de la RDC. Je suis rassuré que les connaissances acquises en la matière permettront de relever cette dernière à un niveau répondant aux structures douanières internationales. Je termine mon propos en remerciant une fois de plus le Bureau régional de renforcement des capacités pour la manifestation de volonté de travailler avec notre administration douanière avant et après la mission et d'assurer le coaching avec une administration membre de la région qualifiée en la matière. La nette reconnaissance est également marquée par les bénéficiaires qui ont remis un présent aux formateurs à travers le président de la délégation syndicale Itégua pour leur beau souvenir de ce passage à Kinshasa, RDC. Notez aussi que le ministre des Finances poursuit son itinérance à travers le service sous sa tutelle au secrétariat général aux finances et à la direction du trésor d'ordonnancement. Ce sont des collègues qu'il rencontre. Doudou Fomba, c'est son nom, les a encouragés au travail, nous dit Sylvie Moembo. Doudou Fomba Likunde Libotai, le retour d'un fils maison dans l'administration des finances où il a fait carrière. Agent de bureau, attaché de l'administration de première classe, chef de bureau, chef de division, directeur, directeur général et aujourd'hui ministre des Finances. De bonnes raisons pour être reconnaissant. C'est une faveur et une grâce inestimable que le chef de l'État a voulu donner au ministère des Finances et pour cela nous devons applaudir au chef de l'État. Alors, nous devons pour cela faire honneur au chef de l'État. Et le premier qui doit faire honneur, c'est moi. Mais comment Doudou Fomba compte-t-il rendre l'ascenseur au président de la République? Je suis un homme de la lutte contre la corruption, les anti-valeurs. Et nous allons continuer sur cette lancée-là. Nous devons faire en sorte que les gens n'aient pas honte d'avoir un ministre. Je dois vous rendre fier. Par ma conduite, par mon engagement, le chef de l'État nous a mis ici au ministère des Finances pour qu'il y ait une justice distributive en termes de revenus et de ressources de l'État. Et nous allons faire cela. Nous ne voulons pas des injustices sociales. Des gens doivent travailler et être rétribués sur base de la méritocratie. Le ministre des Finances encourage les agents et cadres de l'administration des Finances au travail, à construire une administration capable de délivrer, d'être un service normatif, de contribuer à l'essor de la République démocratique du Congo. Il va encourager leur formation pour qu'ils soient polyvalents pour augurer dès lendemain qui chante. Avec le nombre croissant de déplacés, la province du Nord Kivu connaît une forte demande en eau potable. Le sujet était au centre des échanges entre le ministre des Ressources hydrauliques, Teddy Luamba, et le vice-gouverneur du Nord Kivu. Les détails avec Yvette Makuntima. Province sous état de siège et touchée par la sanglante guerre d'agression perpétrée par le Rwanda, le Nord qui vous présente une demande hyper croissante en eau potable. Cet échange entre les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, et le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, Romy Ekuka Lipopo, a permis de faire le point sur la question « Comment améliorer substantiellement la desserte en eau potable pour non seulement la ville de Goma, mais aussi et surtout ses environs qui accueillent plus de 5 millions de déplacés. La desserte en eau potable que nous avons aujourd'hui grâce à la régie des eaux ne suffit plus. Nous avons énormément de sites tout autour de la ville de Goma où nous ne parvenons pas à faire arriver l'eau. Nous avons estimé que nous sommes à un point où nous devons nous ouvrir à l'extérieur. Alors que nous nous sommes ouverts vers Mercicor, CICR et que nous avons tant soit peu essayé d'augmenter le volume d'eau que nous pouvons offrir à la population de Goma et aux déplacés, nous sommes rentrés un peu en petit souci avec la régie des eaux. C'est ainsi que nous sommes descendus à Kinshasa, voir la régie des eaux, le ministère des Ressources hydrauliques, et nous osons croire que la solution pointe à l'horizon. De son côté, le patron de l'énergie congolaise, Teddy Luamba Mouba, a exprimé sa volonté d'accompagner la province du Nord Kivu et relever ses défis majeurs dans une province qui a plus que besoin d'un élan de solidarité nationale.
Il faut rendre au parc Kahuzi-Biega son attractivité. Le ministre du Tourisme reste déterminé. Didier Pamba s'est rendu dans ce site touristique majeur pour encourager des stratégies à accroître le nombre de visiteurs et touristes. L'une des grandes réserves de faune en RDC, le parc national de Kahuzi-Biega dans le sud Kivu, s'étend sur une superficie de plus de 600 000 hectares avec des espèces rares telles que les éléphants de forêt, les gorilles ainsi qu'une riche couverture forestière. Le ministre du Tourisme Didier Pambia Musanga, qui est arrivé sur place 30 ans après qu'un ministre soit passé par là, nous renseigne-t-on à explorer les possibilités de rendre beaucoup plus attractifs ces parcs. 6 km de marche pour scruter ces joyaux de l'écosystème et entrer en contact avec des familles des gorilles, dont le plus célèbre du parc appelé Bonané, se prête au spectacle. On vient d'observer une famille de gorilles. C'est un moment émouvant. Ça vous montre le travail difficile que les éco-gardes font avec tous les risques, parce qu'on peut avoir une charge d'un gorille. Et il y a aussi tout ce qui concerne le braconnage et toute la délinquance dans la forêt. Nous devons considérer que le travail qu'ils font mérite d'être mieux rémunéré. Et c'est le combat que nous allons mener. Une visite qui témoigne de la volonté du numéro 1 du tourisme de mener à bon port la politique sur la relance du tourisme, vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, dans la création d'une industrie touristique dynamique, génératrice des revenus et vitrine d'un pays en pleine mutation. En itinérance dans le Haut-Katanga, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a inauguré les forages à Kambov et des entrepôts à Likasi. Le détail de ces activités avec notre confrère Idi Tchala. Dans la province du Haut-Katanga, en territoire de Kambové, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a procédé à la remise des 28 forages aux communautés locales. Ces travaux ont été exécutés grâce au 0,3% des chiffres d'affaires de la société Comicas SAS, une cérémonie qui réjouit les bénéficiaires. À Likasi, avec 0,3% de la société Dot Kaipeng, deux entrepôts d'une capacité de 4000 sacs de maïs à distribuer aux bénéficiaires et deux tracteurs ont été remis aux populations impactées par ces activités minières. La ministre Aziza Mounana est très satisfaite des résultats sur le terrain. Ils se sont basés sur le développement communautaire et là j'ai vu l'impact. Je suis vraiment contente de ce que j'ai vu. C'est un départ. Maintenant je ferai ma part pour puisse faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Donc je vais les accompagner pour que la jeunesse de demain soit autonome. Surtout que nous avons un président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône d'abord la paix et qui croit à la détermination des Congolais pour faire avancer notre pays. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale reviendra dans la région, a-t-elle promis, pour la livraison d'autres ouvrages au bénéfice des populations locales, ce qui est une véritable expression du peuple d'abord, vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En sa qualité du vice-président de l'Internationale socialiste, Augustin Kabuya et les membres de l'UDPS ont eu une discussion avec la délégation de cette plateforme en séjour à Kinshasa, le contenu de leurs échanges à travers ce reportage signé Alain Bikaï. À Kinshasa, pour une mission de consultation dans le cadre de l'Internationale socialiste, la délégation conduite par Saleh Gebzado, ancien premier ministre tchadien, a été reçue au siège du parti présidentiel par le secrétaire général adjoint Godefroy Chimanga. Après un tête-à-tête avec le secrétaire général faisant office du président intérimaire et vice-président de cette organisation Zone Afrique, le président du Comité international socialiste Afrique et la Camerounaise Chantal Kambiwa ont eu aussi à échanger avec l'exécutif national de l'UDPS. Chantal Kambiwa a été impressionnée par la représentativité de la femme
et des personnes vivant avec handicap au sein de ces structures. Avant de saluer l'apport du secrétaire général de l'IDPS dans l'équipe restreinte de travail du président de l'International socialiste, Pedro Sanchez. Votre secrétaire général, il est vice-président de l'International socialiste pour le monde entier. Et il fait partie du groupe de travail mis sur pied par Pedro Sanchez. Et en tant qu'Africains, nous avons été désignés dans cette commission très restreinte par le président du comité africain. La passion de l'UDPS que nous voyons à l'international, on la voit sur le terrain parce que quand vous n'êtes pas là, il manque quelque chose à l'Afrique. Sous l'égide du secrétaire général de l'UDPS, c'est au cadre de l'international socialiste ont eu à échanger aussi avec la délégation du parti Lumumbiste Unifié, elle, Willy Makiachi, sur la situation qui prévaut au sein de ces vieux partis de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Alain Soudi et Henri Alimassi. L'actualité continue sur la nationale. À 13h30, je serai relayée sur ce plateau par ma consoeur Luzette Ntsakala. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale. Au revoir.